Bonjour, cette vidéo est une brève explication de comment connecter un automate de la série CIJ de Home Run avec un automate Compact Logix de Allen Bradley. Bon, premièrement, l'idée dans le Allen Bradley est d'utiliser une connexion avec le générique device d'Allen Bradley. Donc, il faut créer des instances d'entrée-sortie dans le Home Run comme si nous étions un module d'entrée-sortie déporté. Pour créer ces instances, nous avons besoin du logiciel Network Configurator pour transférer les paramètres dans l'automate Home Run. Donc, la première des choses pour se connecter sur l'automate Home Run, on doit aller dans Options, Select Interface, et on peut que se connecter à l'automate via différents médias. Donc, CIJ2 USB est probablement le plus simple à utiliser. Ensuite, pour créer le programme, les instances, la première des choses, nous ajoutons un CIJ2M. Si c'est un CIJ2M, sur le port built-in. Si c'est une carte CIJ1WIP21, il faut rajouter celui-ci. Donc, rajouter la bonne composante. Ensuite, dans les paramètres du CIJ2, il faut aller dans le tagset pour créer des tagsets que nous allons réutiliser dans l'automate Allen Bradley. Donc, les tagsets d'entrée en premier. Donc, si je fais Edit New Tag, je vais l'appeler si je veux échanger, par exemple, pour les entrées, les W, oups, 0. Puis je vais utiliser, disons, 10 mots de long, donc 20 bytes. Donc de W0 à W9 inclusivement. J'ai dit OK, close. Donc j'écris ici. Ensuite, je clique OK. Je vais vous faire enregistrer un nouveau tagset, oui. Ensuite, je dois cliquer sur le tagset, aller sur édition et dans Advanced, je vais passer l'instance en mode manuel. Donc, le numéro d'instance que je viens inscrire ici va être réutilisé dans la configuration du générique device dans Allen Bradley. Donc, je peux le laisser par défaut à 100, par exemple ici, pour l'entrée. Donc, et je fais OK. Maintenant, mon tag set W0 à W9 est créé pour mes entrées. Je vais aller me créer un tag set, même façon pour les sorties. Donc, je vais faire Edit Tag, New Tag. Lui, je vais l'appeler, par exemple, W100, si on veut, W100. Si on veut 10 mots de long, donc 20 bytes, encore 20. Je fais enregistrer. Maintenant que je n'ai créé un seul, le seul que je veux utiliser. Donc, je ferme la fenêtre. Ensuite, je clique sur OK. Créer un nouveau tag set. Oui. Et de ce tag set, ne pas oublier, resélectionner, aller dans l'édition, dans le bouton avancer, passer le tag set en mode manuel. Étant donné que mon tag set d'entrée est déjà utilisé avec le chiffre 100, je ne peux pas utiliser le même. Donc, je vais en prendre un différent. Je peux prendre, par exemple, 101, tout simplement. Donc, je clique OK, OK et OK. Je peux maintenant télécharger les tagsets, étant donné qu'ils sont en manuel. Ils vont répondre aux demandes génériques de device du Allen Bradley. Les deux choses qu'il faut retenir des tagsets qu'on a créés, c'est le numéro d'instance et la grosseur, le poids en bits ou en bytes, là. Des deux. Donc, moi, j'ai 100 pour l'entrée, 101 pour la sortie et les deux ont 20 bytes de poids. Donc, dans le logiciel Studio 5000, à partir du firmware 22, je peux trouver mon adaptateur Ethernet ici, cliquer à droite et ajouter un nouveau module. Quand je vais ajouter un nouveau module, je dois trouver dans la liste celui qui s'appelle Générique Device, Ethernet Module, Générique Ethernet Module. Ensuite, je vais donner un nom à mon instance qui va devenir mon tag global dans Studio 5000. Je dois mettre l'adresse IP du CIJ2. Et en entrée, je dois mettre l'instance 101 dans le cas du Allen Bradley, étant donné que mon instance de sortie dans le CIJ2 est le 101, donc l'entrée dans l'Allen Bradley va être le 101. Et si j'ai mis le format en integer, en entier, c'est un format sur une base 16 bits. Donc, je dois mettre une valeur de 10 qui correspond à mes 20 bytes que j'ai créés dans le home run.
Même chose pour la sortie, étant donné que mon instance d'entrée dans le home run était le 100, je dois prendre l'instance de sortie dans mon bradley à 100 avec le même poids. Et dans la section de configuration, je n'utilise pas la configuration, mais pour que le logiciel accepte les paramètres, je vais mettre l'instance à 3 et la quantité à 0. Ensuite, je viens activer ça, je transfère ça dans l'automate et l'automate Allen Bradley va initier la connexion vers l'automate Ombra. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmbraNBiz.